Hey, salut YouTube! Comment on se retrouve? Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une game à la Far S. L'équipement juste ici. Elle n'est pas giga bien équipée, il me manque encore quelques trucs à débloquer, donc sûrement qu'une d'autres vidéos à la Far arriveront dans les semaines à venir. Mais je vous propose déjà cette première victoire. Bon visionnage, peace. Rappelez-moi de mettre les bonnes exécutions, les gars. Il y a une chaise derrière toi. Putain, c'est vrai qu'à ça, ça. Merci les gars. Il est là, les gars. C'est bon. T'as bien campé, Xinox. Regarde, il a... 3, 2, 1. Non. Moi j'aurais balancé ça pour me faire jeter un coup d'œil, ce qui a marché. Et après je serais monté. Ce mec là, les gars, il a un sniper, il a tous les avantages contre moi. Pourquoi ça m'étonne pas, les gars, que bizarrement c'était un français? Hein, grosse chienne, Quentin du 73! Grosse pute, va! Bon, le principal c'est qu'on les canne le gonze. On va aller chercher. On va aller chercher la cible, les gars. Merci Darky pour les 4 mois au fait. Et Klaus pour le sub. Bienvenue. Holy crap, boys. Merci pour les subs. Ouais, c'est de la thune posée sur le shop, les gars. Je m'obstine. Oh, le fils de pute. J'ai marqué une cible. Elle a un peu moins de recul avec le nouvel accessoire, les gars. C'est pas mieux? Regardez ça. Putain.
Elle est incroyable, regardez ça les gars. Elle est pas incroyable cette arme. Il y a un mec juste là. Il y a un mec à gauche. Il y en a un qui en profite. Il y en a un qui en profite pour monter tant que je sois pas là. Joli le FAMAS G2. Il est beau hein. J'ai claqué un petit silence de mort les gars pour faire une rota fast. Pour aller vite sur les sur ces trucs là. Plaque, pas besoin les gars. Regardez. Moi je pense que dans la zone il y a 3 personnes. Je mise sur 3. Vous misez sur combien vous? Dispositif de reconnaissance activé. Un drone arrive sur zone. Lequel d'entre vous aurait pensé juste un? Mister Chaban du 93-140. Hey GG man. En fait il y avait qu'un mec les gars. On aurait pas dit comme ça. Tiens, un Français qui joue avec un bouclier, les gars. Hashtag hasard. Avec des termites, avec un camion, avec un système trophy. Tu te rends compte que j'avais même pas une paralysante? Lui, cette grosse merde, il a stressé, il a raté sa para. En fait, à partir du moment, les gars, où on vous colle une termite dessus, il vous reste à peu près 3 secondes à vivre, ok? 3 secondes et demie. Donc, ce que vous devez faire pendant ces 3 secondes, c'est tuer l'autre mec. Donc, là, je sais que j'avais 3 secondes pour le tuer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit crochet à gauche pour ensuite repartir sur la droite. Il avait un niveau de merde, donc c'est un truc qui a marché. T'as inspiré trop de mecs, surtout qu'il y a trop de mecs sur le live, oui. Ouais, il faut avoir une autoréa, ouais. Après, même si t'as pas d'autoréa, tu vois, autant que si le mec te tue, mais que tu le tues aussi, tu vois. Vous entretuez.
Ça sert à rien qu'il y ait un mec qui survive. Comme ça, vous faites votre goulag et c'est le premier qui gagne qui retourne sur l'argent. C'est grave bien aussi. Pour un débutant, le bouclier, il vaut mieux pas prendre les paras illimités dès le début avec un Akimbo bouclier plutôt que sur armement. Si, totalement. Totalement. Quand tu débutes au bouclier, etc., il vaut mieux que tu prennes ma petite méta de Glock Akimbo que tu retrouves sur le point d'exclamation classe. Et une fois que tu as cette petite classe, gros, tu t'entraînes. Genre, déjà, la première erreur, tu vas comprendre que tu vas te faire tuer par les pieds. Tu vas faire parce que tes pieds seront full exposés. Et donc tu vas te faire dézinguer par les yep. Après il y a quoi d'autre? Vous allez comprendre les D5. Pourquoi est-ce que j'ai pas exécuté les gars? Parce qu'il y avait un sniper ici qui me tuait. J'étais bon. J'aime pas du tout ce sniper. On va challenge le mec, les gars. Allez, on laisse. On va le laisser camper là-haut, lui. Il y a de ses positions, quand même. On va claquer des drones, messieurs. Dispositif de reconnaissance. Ah bon? C'est un mec qui m'a rushé. Il y a un mec qui a... Je comprends pas cette technique de courir, glisser, sauter. Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps? Ouais. Ouais, mec. Genre vraiment, c'est insane le temps que tu gagnes. Je pense que tu cours au moins 15% plus vite qu'un mec normal. Et 15%, mec, c'est insane. Laissez tomber. Félicitations pour Lord of Warzone. Ouais, vous avez kiffé, les gars? Alors... C'était cool avec B-Boy et Abril. ES, toujours pareil, toujours un plaisir. Mais je suis content de mes invités, tu vois. Tu fais jamais de multi? Non, c'est de la merde le multi. C'est pas en sens du multi que tu peux progresser. Bon, à la limite, un match à mort peut-être. Sur une map où tu full rush. Non, le multi, les gars, c'est la déchéance. C'est Lord of Camping. Hein. Boy, c'est un bon mec. C'était cool, on a bien rigolé, je trouve. Un
Hier, est-ce que je suis content de mes calls, etc. Ouais, les gars, de ouf. Hier, je trouve que j'ai bien lead. Oh le fils de pute. Vous avez vu, regardez, il a sauté. Les gars, il a sauté du bâtiment et il est parti là-bas. Ouais, hier mes calls étaient bons. Genre on n'a pas perdu de... En fait, là où je suis content, c'est que on n'a pas perdu de game dans le dans les endroits où ça faisait très mal. C'est-à-dire de perdre une game dans le top 5. Ou de perdre une game dans le top 4, tu vois. On en a une dans le top 2, mais voilà, on peut absolument rien y faire. Voilà, vous voyez, regardez, vous voyez ce mec là qui saute en parachute. Il a pas d'autre option que de venir en zone. C'est-à-dire que là, il a fait le cake, tu vois, à me tirer dessus. Donc voilà, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. J'ai des grosses couilles. Vous avez échappé à l'ennemi. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ok, bon, il y a deux qui m'arrivent dans le dos. Et j'ai le meilleur joueur du monde, eux. Ouais, je peux pas en fait. Je vais pas m'en sortir. Ce mec là, c'est ma bête noire. Regardez-le les gars, comment il s'acharne, c'est dingue. Allez, boum. Il y a encore l'autre mec derrière moi que j'ai knock et que j'ai pas pu finir. Les gars, regardez l'argent qu'il avait. Hein. Sachant que c'est divisé par deux. Il avait 28 000 balles les gars, ce gars-là. 28 000. Et il y a toujours ce sniper qui veut me tuer. Mec, je suis passé la porte! Ok. Station de ravitaillement localisée. Lui aussi il avait passé la porte. Lui aussi il avait passé la porte. Ok, bon le karma m'a envoyé un assassin. Ok les gars. Ok. Là la belle. Non! C'est quoi ce bordel? Pourquoi je me retrouve à 5 HP en 2 secondes à chaque fois? J'y retourne. Mich, tu lances la victoire? Tu te rends compte qu'il reste 9 personnes alors qu'on est zone 4? Hein. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Thank you.
je suis stressé. La zone est merdique, les mecs. Hein. La zone de fin est merdique de ouf. Tiens, si seulement quelqu'un pouvait me rassurer. Allez, chaud, oh. chaud. Allez, chaud. Ahmed. Vas-y, on fait. Ahmed. Mais non. Allez, chaud. Oh, trop mignon. Allez, ça, c'est mon frérot. Allez, vas-y pour le top 1. Allez, chaud. Ah, je viens de l'inventer, la musique. Hein. Putain, ça va être une hymne. Envoyez un dispositif de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. What? Pourquoi j'ai 2 HP, les gars? Pourquoi est-ce que... Les gars, vous avez pas l'impression que ce mec sait exactement où je suis constamment? Mais les gars, est-ce que ce mec... C'est pas normal ce qu'il met, ce mec là? Tout le monde est d'accord avec moi? Depuis tout à l'heure, ce mec me fout que des break shields de ouf. Regardez, les gars, il ne me voit pas. C'est, regardez, je ne vois rien. Il n'y a rien. Et là, je le regarde. Regardez. Là, je le regarde en plein. Et vu que je le regarde, là, il va pas tirer. Par contre, dès que je tourne un peu le viseur, hop là, ça tire. Et, les gars, c'est un truc de malade. Si on est que 6 à ce niveau du jeu, c'est parce que ce mec, il a un putain d'aimbot. Bonjour monsieur. Mais non, le cheater, il est venu. Vous avez vu comment il est descendu? Ça fout le shit, les gars. Dispositif de reconnaissance activé. Un drone arrive sur zone. Ça fout le shit. Mec, je sais que tu triches, toi. Regardez-le, les gars. Ça, c'est Jean-Marie Tricheur. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité.
Il y avait une frappe quelque part qui a dézingué mon bordel. Je suis en 1 contre 1 final. Alors les gars, j'ai rien compris à ce qui se passe, mais je suis en 1 contre 1 final. Est-ce que la vision de Mich était bonne? Est-ce que je vais faire ma première win? Ah, Jean-Marie Cheater. Hola gringo! Como esta puta? C'est puta, uno paralizante, dos, puta, tu es un puta. Ta, 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 ta. C'était si dur. C'était pas le cheater, les gars. C'était l'homme qui a essayé de venir là. On a gagné!